Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyoung Créa. Donc là, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter ce que je me suis commandé chez Globeland. Donc j'ai commandé deux lots de dyes et autrement c'est des tampons. Alors, on va commencer par les tampons. Donc là, j'ai pris, comme on arrive bientôt à Halloween, donc j'ai pris ce tampon comme ça Halloween. Donc j'aimais beaucoup la sorcière qui est trop jolie. Voilà, le chat qui est sympa, enfin les deux chats, les comment, les citrouilles. Là il y a le mot Halloween parce que je sais pas si je l'ai sur d'autres. Et le balai, voilà, ça j'avais pas. Donc je vous montre parce que j'ai fait déjà mes pochettes. Donc je vous montre le tamponnage, donc il tamponne super bien. Quand je prépare, alors là, vous voyez, je mets directement dedans avec. Comme ça, je sais que c'est chez Globeland que j'ai commandé ça, que c'est la marque Globeland. Donc, voici pour le premier die, le premier tampon. Donc, sachez que les tampons, bah, sont vraiment pas chers. Ensuite, j'ai pris un tampon chat que je trouvais trop mignon. Chat dans sa tasse. Le petit chat comme ça, encore dans une tasse et la pelote de laine. Et bon, après le reste, c'est écrit en anglais. Je vais vous épargner mon anglais. Et là, il y a une petite papatte de chat. Donc ça, c'est bien quand on fait des petits fonds. Et voilà, il tamponne super bien. Donc franchement, j'adore cette boutique. J'adore leurs tampons. J'arrive toujours à trouver des choses sympas. Dans le style que j'aime en fait. Là, j'ai trouvé des ratons laveurs. Alors ça me fait toujours penser à un épisode de La Petite Maison à Prairie où il y a un raton laveur. Et à un moment, il se met comme ça, le raton laveur, dans un épisode. Et je trouve ça trop génial. Donc du coup, bah, je l'ai pris. Ah, même il se met comme ça aussi, je crois. Enfin bon, bref. Je le trouvais trop beau. Il y a les petits papillons. Et vous allez voir, les tampons sont bien. Bon, après, il y en a que c'est moins bien fait, mais parce que je fais pour aller vite, voilà, je mets mon encre directement là. Je prends mes feuilles que je plie en deux et je tamponne directement. Vous voyez? Comme ça. Du coup, bon, ça fait le tamponnage, mais au moins ça fait déjà mes rangements rapidement. Parce qu'avant, je prenais un par un les tampons, ça prenait du temps. Là, je vois, en peu de temps, j'ai fait. Donc voilà les ratons laveurs. Je peux peut-être vous dire quand même les tailles. Donc on peut faire des ATC avec. Hein. Là, vous voyez la taille d'un raton laveur 2,5 au. Ouais, ça fait même pas au 7 plus grand. Donc pour faire des ATC, c'est bien. Par contre, les chats là, je pense que ça doit être plus grand dans la tasse. Mais bon, on peut faire d'autres choses, hein, même pour mettre dans des albums. Bon, après, même une ATC. Bon, après, ça prend tout. Mais avec celui-là, on peut faire une ATC aussi. Voilà. Alors, voilà. Pour ces tampons-là, je continue. Je remets dedans. Est-ce que je. Bah non, c'est pas au bon. Parce que si je commence. Alors, ensuite. Là, j'ai commandé. C'est des ATC. Alors. À mon avis, du coup, bon, c'est petit pour mettre derrière l'ATC. Ça fait pas la dimension de l'ATC, mais bon, ça peut permettre d'écrire. Ça faisait des différents. C'est 7. Donc 7, déjà, même c'est trop grand parce que c'est 6, ah non. Non, c'est bon. Sur 7 sur 4,5. Mais bon, on peut mettre derrière, ça permet d'écrire. Voilà, puis ça m'en fait des différents à mettre derrière les ATC. Donc j'aimais beaucoup celui-là. Oui, alors même ça, on peut intégrer dans des junk, faire des petits. Ça peut être sympa. Donc voilà, je vais poser ça là pour pas que ça m'encombre. Ensuite, j'ai trouvé ce tampon chien. Va le mettre derrière ça. Voilà. Donc avec ces différents accessoires, il y a la petite gamelle. Là, je sais pas. Ah oui, c'est parce que des fois ils font pipi le long de ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Bon, après, je sais pas.
Les petits papillons, pattes de chien, la petite balle pour qu'il joue. Voilà. Et différents chiens. Là, le chien qui court, le chien qui attend. Enfin, bah, voilà. Le chien qui joue avec le papillon, j'adore. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Il est trop mignon. Donc, j'ai fait mes petits tamponnages. Donc, vous voyez, il tamponne très bien. Moi, j'aime beaucoup parce que les traits sont très fins. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'adore leur tampon. Franchement, c'est. Ensuite, j'ai craqué sur le tampon chat encore. Donc, un chat. Le chat qui tombe dans le bocal, enfin, l'aquarium. Il y a le petit poisson qui est là. Là, il y a le chat bon, qui saute, qui fait une bêtise. Enfin, ça, c'est le chat qui fait des bêtises, en fait. Donc, ça, j'aime beaucoup. Pour faire une petite série d'ATC en l'intitulant chat bêtise, c'est pas mal. Donc, je vous montre les petits tampons. Enfin, comment il a tamponné. Donc là, bah, il y a les mots help, au secours. Donc du coup, on peut le mettre, vous voyez, on fait ça. On met le help, impeccable, on fait un petit fond. Voilà. Là, le chat qui essaie d'attraper le poisson. Donc, non, j'aime beaucoup ce tampon-là aussi. Voilà. Et là, j'ai craqué sur le tampon libellule. Alors après, on pouvait prendre le dice qui coupe, mais moi j'aime bien détourer. Alors là, c'est vrai que les libellules, ça va être peut-être un peu plus délicat à détourer, mais bon, ça me gêne pas. C'est vrai que j'aurais pu prendre le dice avec. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien détourer, moi. Et bon, sachez que si vous le voulez, il est. Et franchement, les combos tampons d'ail sont pas si chers que ça par rapport à d'autres boutiques. Je vous dis que cette boutique-là, pour 20-25 euros, vous vous faites mais vraiment plaisir, quoi. Vous pouvez avoir beaucoup de choses. Donc voilà pour mon dice. Mon tampon libellule, je suis fatiguée encore. Enfin bon, bref. Ensuite, j'ai pris des dice. Alors, j'ai pris un lot de dice oiseau. Oiseau. Je sais pas, bon, on ne fait pas la liaison. Donc, il y a d'abord celui-ci. Donc, c'était un lot, hein. Ils étaient vendus ensemble. Donc, c'est différents oiseaux. Donc là, j'ai fait les découpes. Donc, j'ai même fait dans de la chute. Vous savez, des crafts quand il y avait, je sais plus c'était quoi qu'il y avait dedans que j'avais pris à Action. Comme c'était du papier gris, j'ai dit, oh, c'est pas mal. Voilà. Donc j'ai pris dans mes chutes de papier que j'avais triées. Là, j'aime bien celui-là. J'aime beaucoup mettre des oiseaux en ce moment dans mes créas. Ça me dit, ça... là, vous faites un fil et vous en faites plein comme ça peut être sympa. Sur un fil à linge ou un truc comme ça. Donc voici là. Et là, je me suis dit, je vais garder aussi les négatifs. Parce qu'on peut faire des fonds en fait. Faire avec du pochoir. Enfin, en s'en servir comme pochoir. Donc voilà le premier. Ensuite, le deuxième lot. Donc c'est plus des oiseaux. Alors après, je vais vous dire la variété des oiseaux, j'y connais rien. Donc là, d'autres oiseaux dans différentes positions, plus qui volent en fait. Et là, j'ai fait dans une chute de papier d'un bloc de chez Action. Donc je le trouvais très joli. Voilà. Oh. Donc ils découpent très bien. Hein. Je n'ai passé qu'une fois. Franchement, leurs produits sont super. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Et voilà. Et j'ai gardé aussi le négatif. On ne sait jamais. Bon, après, les formes, à voir ce qu'on peut refaire. Celle-là peut être sympa. Donc, je garde quand même. Et puis, je verrai si je m'en sers ou pas. Et ensuite, là, ça fait plus corbeau, je pense. Vous me direz. J'ai l'impression que c'est des corbeaux, mais je ne suis pas sûre. Ou alors c'est les premiers, les corbeaux.
Ouais, c'est peut-être plus cela les corbeaux, non? Ouais, c'est peut-être plus cela. Ça, je sais pas. Enfin bon, bref. Donc là, j'ai fait les petites découpes dans de la chute de papier marron. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oiseaux, 7. 7 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 7, 13. 13 et puis là, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 18 découpes d'oiseaux. Et je vous dis, j'ai pas dû prendre parce que j'aime pas mettre très cher dans les dies. Alors attendez, j'ai pas fini de vous montrer les petites découpes. Voilà. Bon, après c'est pour montrer, hein, ils coupent bien. Donc après le peut-être c'est bien aussi de les couper dans du blanc et puis s'amuser à les colorier. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc voici pour mon dies, mes dies oiseaux. Je rangerai après. Et après, j'ai craqué. Alors ça, j'avais vu Nathalie G qui avait pris ce dies et je dis, il faut que je le prenne. Donc c'est des dies serrure et clé. Donc elles sont quand même... Là, la clé a fait 6,5. Là, la serrure fait 8,5. Donc je me dis, si on fait des créas, des boîtes, des choses comme ça, et eh ben ça peut être très sympa. Donc c'est surtout, alors je vais vous montrer. Donc ça, et là j'ai fait la découpe, voyez. Et du coup moi j'aime bien faire ce genre de boîte qui fait un peu valise. Et je me dis, ben, je peux mettre comme ça. Donc là j'enlèverai, je mettrai, et en plus on va le patiner. Alors attendez, je vais vous montrer parce que je voudrais. Là je peux le détruire. Je peux l'enlever, vous voyez. On peut le plier, on peut faire une pliure. Alors, après, il faudrait que je retourne voir sur le site. Et voyez, vous mettez comme ça. Et franchement, ça rendrait super bien pour sa boîte. Voyez. Et là, je vais le patiner. On va voir avec ma fameuse petite chose de patine. Tout de suite un effet bronze et vieilli. Bon là je vais en mettre partout, moi je nettoierai, c'est pas grave. Voilà. Donc là, voilà, je l'ai patiné, vous voyez, avec ma patine. Bon, je m'en suis mis sur les doigts. Et là, vous le mettez. Bon, après, ça ressortirait mieux sur du noir. Mais voilà. Donc, pour le patiner, il vaut peut-être mieux faire sur la boîte noire. Ça ressortirait mieux. Mais bon, c'est sympa. Et j'ai fait aussi les clés. J'ai découpé donc les différentes clés. Donc, j'ai découpé cette clé-là. On va essayer de patiner une clé. Je nettoierai après mon bureau, c'est pas grave. Voilà. Et voilà, j'ai patiné la clé et ça fait super génial. Donc ça, je vais racheter de la patine un peu argentée aussi. Je m'en mets partout. Donc, je vous montre les différents quand même. Donc là, il y a une grosse serrure. Donc la grosse serrure, elle est là. Là, il y a ça. Alors, c'est vrai que plus petit, ça aurait été. Alors, ça, je sais plus. Elle avait montré comment on pouvait s'en servir. Ça, je sais plus. Il faudra que je revoie sur le site. Donc, il y a ça aussi. Mais j'avais vu, hein, pour faire des boîtes, vous mettez. Voilà. Des boîtes, des armoires. Voilà. Il y a l'autre clé comme ça. Et puis. Donc là, ma serrure. Bon, il y en a d'autres que j'ai pas redécoupé, j'ai pas eu le temps.
Mais voilà. Voilà, je suis super contente. Donc là, il y a combien? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 de dice en fait. Et je dis pour le... Franchement, ça vaut le coup. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi, je ne peux pas vous remettre les liens parce que je ne sais pas comment mettre les liens. Comme là, ce n'est pas un partenariat, c'est moi qui ai passé ma commande. Par contre, bah, je suis contente parce qu'ils m'ont proposé un partenariat avec eux. Alors, je ne sais plus mon code promo. Je remettrai en barre d'infos. Je vous mettrai quand même parce que n'hésitez pas à aller voir. Et puis, vous avez le droit à 10% avec mon code promo et il est toujours valable. Je ne l'ai pas gardé quelque part. Je devrais garder mes codes promo inscrits. Je crois que c'est Young 10, mais je ne suis pas sûre. Donc, de toute façon, je vous remets ça en barre d'infos. Et puis, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, bah, je vous réserve. Alors, c'est ça que j'avais envie de vous faire, une surprise. Donc, pour toutes celles qui seraient intéressées et qui voudraient des tamponnages comme j'ai préparé, vous savez, les petits tamponnages que j'ai faits avec mes petits anneaux. Donc, vous me dites quel tampon vous ferait plaisir et je vous envoie des tamponnages de ce tampon. Donc, il y a, je vous remonte, Libellule. Donc, chat, on va l'appeler chat qui fait des bêtises. Voilà, Libellule, chat qui fait des bêtises. Chien. Je vous montre, bon, peut-être pas celui-là. Raton laveur. Bon, après, si vous voulez ATC, remarque, je peux, hein. Chien, chat. Donc, chat tout simplement. Et puis, Halloween. Donc voilà, donc si vous voulez participer, je fais deux gagnantes comme la dernière fois. Excusez-moi, oh là là, vous êtes tombé. Mince, attendez. Ah, il commence à s'abîmer mon... Je vous ai fait tomber. Bon là, vous allez voir ma tête, pas tant pis, hein. Je ne vais pas refaire la vidéo. Donc, vous mettez, et puis là, ATC. Donc, vous mettez bien dans le commentaire le tampon qui vous ferait plaisir à gagner. Et puis, je fais un tirage au sort. Voilà. Je ferai deux tirages au sort. Donc, mettez bien le tampon qui vous ferait plaisir à avoir en tamponnage. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Scrap bisous!